Eh bien, bien bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne. Alors ici, on a tombé sur une qui c'est qui nous demande un ami. Ninja Banane. Bon, tout va bien, c'est un copain. J'avoue que le pseudo m'a fait un peu rigoler. Alors là, on va parler d'un avion. Alors là, totalement incroyable. Mais personne ne le joue. Je ne comprends pas. T'as l'impression que pour les gens qui jouent japonais, il n'y a que la 6M qui existe. Il n'y a rien d'autre. Je vais encore passer pour le fanfaron de YouTube, hein, qui se prend pour un joueur pro alors qu'il est claqué au sol. J2M2, 150 kills, 18 morts. J5N1, 97-12. K84 au-dessous. L'avion qu'on va voir, 92 kills, 7 morts. J7W1, 91-30. J2M4K, j'étais un plot, j'étais même pas niveau 50. C'est un avion premium que j'ai utilisé pour monter la nation. 82 kills, 32 morts. A6M5, enfin, le premier A6M. 61 kills, 10 morts. K83, sûrement un des meilleurs grimpeurs du jeu. 61 kills, 13 morts. K44, la navette spatiale, 51 kills, 5 morts. Mais il n'y a que des avions de fous furieux dans cette nation. Mais non, les gens, ils ont 3 de QI, ils jouent que la 6M. Le problème de la 6M, c'est que c'est un avion qui est uniquement bon en dogfight, c'est-à-dire qu'il ne sait rien faire d'autre. Donc tu tombes contre un mec qui a 3 de QI et demi, c'est-à-dire qu'il sait à peu près bouger sa souris et qu'il a 2-3 connaissances dans le jeu. Genre, il sait compter 2 par 2, il a ses chaussures. Il sait, faut pas dogfight avec un A6M. Bah donc, ton A6M, il est plus bon à rien, tu ne peux plus rien faire. C'est un avion qui est très bon quand t'es débutant, dès que tu sais jouer, la 6M il est éclaté, tu leur pètes le cul 365 jours par an. Et dans ces avions totalement incroyables, on a le K84 au-dessous, qui a, tenez-vous bien, aucun défaut. Y a rien, juste, l'avion il est bon partout, il peut tout faire. D'ailleurs les japonais ont encore fait une bizarrerie, c'est exactement le même avion dans les trois versions, il y a que l'armement qui change. Là on perd 2 canons de 20 pour des 12-7, là on a 4 canons de 20, et là on gagne 2 canons de 30 au lieu des 12-7. Par contre, on est en 6.3. Ça commence à être très chaud. J'en ai pas vu un seul autre dans les games. Alors par contre, que de la 6M à 6M6 à 6M5 qui tape des verticales à 50 km/h pour choper un B17, là par contre, il y en a toute une patrie, il n'y a pas de problème. Mais l'avantage, c'est que tu tournes bien, mais pas trop bien. C'est-à-dire que le reste des performances n'est pas trop entaché. Et donc l'avantage, c'est que tu as quand même une structure qui est faite pour voler vite. Parce que tu te mets le nez à zéro, tu voles à 620, 630, 640 si t'es motivé. C'est quand même bon, hein. En 5.7, c'est déjà très bien. Tu peux boom and zoom sans aucun souci. La rétention d'énergie est très bonne. Les volets sont incroyables. Le taux de montée, alors là, attention. Là où un 0, il va monter 22-23 mètres secondes à 260 km/h parce que le truc, il avance à rien. Ton K84, il va se mettre à 320 km/h à 20 degrés. 27 mètres secondes, bonjour. Ça en fait juste un avion qui est hyper polyvalent. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux retourner toutes les games du jeu avec ce truc-là. J'en ai parlé brièvement. Niveau armement, on a 4 canons de 20 mm. Hein, 600 munitions, ça part quand même assez vite. Hein, faut se méfier. Si vous voulez faire un S avec un chargeur, faut quand même pas trop loucher. On a un moteur en double étoile. 18 cylindres, 100S. Parce que pourquoi pas. Un des meilleurs refroidissements de tous les avions à piston du jeu. Sur des maps désertiques, tu décolles avec des I-225. Les mecs, ils ont à peine quitté les roues de la piste. Il est déjà en rouge clignotant. Bah toi, tu sais que tu toucheras jamais le orange, quoi. Donc tu peux whipper tout le temps. Et de deux, vu que tes radiateurs sont beaucoup plus fermés, t'as une bien meilleure aérodynamique. Et donc après, pour couronner le tout, vous connaissez le topo, hein, compresseur à double étage. Vous pouvez faire ce que vous voulez à quasiment toutes les altitudes. Privilégiez quand même pas mal le boom and zoom parce que ça évite de nous mettre dans la merde. Hein. Puis là ensuite, hein, bah vous allez voir, hein, c'est l'autoroute des Ace. Je suis désolé, j'ai fait quasiment que ça. Bisous. C'est parti. Allez. De toute beauté. Qu'avons-nous avec nous, Spitfire? Ah, Dirk 3U, la guerre. MB5. Ah ben voilà. Le MB5, El Famoso. Allez voir ma vidéo, incroyable. Oh non mais attendez, regardez-moi ça, le sketch. Ah bah il y a le 10 gros, allez voilà. Incroyable, non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries frère. Oh, un bateau qui vole. Mais non. Un F8F, ouh, ça risque d'être un fight intéressant. Laissez-moi, je veux me le faire. C'est parti. Ah oui, par contre, un Bir 4 qui joue l'énergie. Aïe, aïe, aïe. Surtout le vertical, là, ça va vraiment pas le faire pour toi, mon ami. Hein. Je suis désolé, mais... Tu meurs! Salut! Un Twin Mustang. Ah bah, vas-y, moi, j'embarque. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Oh, il a le pod. Si vous voulez comparer le nombre de munitions qu'il a tiré et moi ce que j'ai tiré. Oh non, ça c'est moche parce que ça, ça rentrait direct. Hein. Pardon. Il va se faire caca dessus, il va tirer tout droit maintenant. Non, c'est bon. Merci. C'est parti. Gros dive. En P47M en plus, c'est pas honteux ça.
Oh là là, la sale rafale que je lui ai mis. Et c'est qu'un coup, frère. J'arrive à 900 dessus. Alors ça, si c'est pas scandaleux. Le P47M, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, je lui ai un peu satellisé l'auto quand même, hein. Il est marbré, le P47. Marbré. Oui, ben merci, c'est mon kill quand même, hein. On va pas exagérer. T'es même à vitesse. 580 au ras de sol, j'accélère encore. C'est pas incroyable, mais ça fait très largement le taf pour être ultra polyvalent. Bah non. Je vais jouer japonais, je vais jouer à 6M. J2M, personne ne les joue. K84, personne ne les joue. K83, personne ne les joue. Un truc de fou. Bonjour, police du skill. Oh, le sale feu moteur que je t'ai mis. Bon, on va quand même se faire le petit A26 au décollage, là. Eh, parce que pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la première piste, il n'y a toujours pas de défense anti-aérienne. Hein. Alors, lui, il décolle. Oh, le sale feu moteur. Allez, tasse les molécules. Oula, ça a l'air compliqué. Ouh là là. Aïe, aïe, sortez les 106. Barbecue intégré sur la 26. Quand même. Oh là là, nom de Dieu. Allez! De toute beauté, le bombardier qui campe! Dehors le bombardier qui campe! Toujours pareil, hein? Universel 600 mètres 20 minutes. Regarde le I-225 qui fait son malin là. Miaou, regarde mon gros moteur! Oh là 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 là! Il va se prendre un coup de vent dans le pare-brise, l'avion va compresser, il va pas comprendre ce qui se passe. Le I-225, il est en train de nous faire une post-combustion lui, c'est sûr! Le moteur il doit être là en train de suffoquer à l'intérieur. Et puis nous, bah tranquille, voilà, dans le blanc. Allez, j'en ai marre, allez! 33% de radiateur, bah, il refroidit trop bien l'avion. Il paraît que si tu mets les radiateurs à 100%, il y a des glaçons qui sortent. Du spectacle, on veut du spectacle, nous, là. Oh, ça y est, il s'est réveillé. Oh, lui, 225, qui rentre chez sa mère. Allez, c'est parti. Calâche-moi tout ça, là. Bim, bam, boum. Oh, il a marbré l'I 225. Ah, ben alors là, quelque chose de bien. Ah, ben alors là, voilà, il y a du monde en haute altitude. Ça, c'est bien, nickel, P59. Aïe, aïe. Des fois j'ai une petite technique aussi avec cet avion. Je tempo mes virages. Parce que les mecs ils se voient faire un virage, tu tournes tellement sec qu'ils se disent bon c'est mort, je le turnfighterai jamais. Alors que si t'es là tu fais style qui tourne pas trop bien. Et le temps qu'ils s'en rendent compte en général t'es dans leur cul. Bon le twin, tu sors. Ah il a cru il était rapide. Oh bah. Le F4U, mais il revient le F4U. Bonjour. Police du skill. Oh le F4U, sortez les brochettes. Tu sors, allez hop. Oh là j'avoue, turbochat, hein. Oh le piqué des enfers que je suis en train de nous faire. 780, on va arriver d'ici à 800. Oh le... Ah bah ça fume, hein. Ça doit être un diesel. Ah il va réussir à larguer ses bombes, hein. Il a tout drop. Ah bah alors là, le nombre de G plus le feu, sur il pète son aile. Ah bah voilà, ça y est. Wow. Ah bah alors là, j'ai rallumé le truc. C'est con parce que c'est quand même un avion qui était pas capable de voler sur un seul moteur. Là oui, bon là c'est sûr qu'il volera moins bien. Et je dis ça, je le sais, parce que mon tonton a volé dessus quand même. Et dans les kits de survie, faut arrêter de mettre des petits bâtons, des petits silex de merde, hein. Faut mettre des A26, hein. Moi, je suis avec mon petit 84. Bon, bah, deux ace d'affilée. On a de la rétention d'énergie, mais on n'a pas de frein. Ça, c'est quand même con. Mais freine ! Ah, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. Schneck. Il a enlevé une lettre, ça faisait Schneck. C'était vachement plus drôle, quand même. Bon, je vais essayer de poutrer la 2D et ensuite d'aller descendre un peu par là-bas, là. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh! Bah oui, hein. Ah, mais je veux le kill parce que le 109, je l'ai bien vu arriver, le Rapia. C'est pas mal, ça. Tu sors! Non, j'étais fébrile, hein, on va pas se le cacher. Y'a que 3U. Eh, c'est quoi ça?
Comment je peux être aussi nul que ça? P51, HBR63. Bon. Pardon? Oui, par contre, bon, t'as bon bien tourné contre un Ki-84. Oh, bah tiens, si je vise comme ça, par contre, il va pouvoir. Hein. Ah mais attendez, il y a tout le monde qui arrive là, c'est quoi ces conneries? Les mecs, on les a pas vus de la game. Oui. Ah ben là, fallait que je le poutre, hein, parce que là, il y a du monde qui arrive au cul. Hein. Il est sérieux le mec? Ah attends, on va faire ça au son. Tout à fait d'accord. Il se met dans les nuages pour pas que je le voie, le salaud. Ah bah tiens, salut. Allez, bisous. Allez hop, ça dégage. On va laisser croire au Fog Wolf qu'il peut m'attraper. C'est parti. Merci. Ok, il dive. On va prendre le F4U alors. Non mais le F4U là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Tirage de frein à main. Ça me permet d'économiser mes munitions. Il y a quand même quelque chose de positif dans l'histoire, je dis pas. Mais quand même, essayez d'au moins essayer de vous battre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh, et puis là j'arrive avec mes 2000 chevaux sur un 335 qui est en tunnel vision sur un bot. Alors là mon copain, mon cousin. Ah ça pue l'overshoot hein, quand même. Hein. Allez, on va ralentir un peu. Voilà. Voilà. J'ai pas trop envie de consommer de munitions, parce qu'il en reste deux là-bas. Oh, il a plus d'empennage. C'est parti. Viens là, mon ami. T'en fais pas, ça va bien se passer. Le Spitfire, il traite tout le monde de noob, mais il m'a l'air d'être le plus gros des noobs. Oh là là, oh là là. Et frérot, si à 400 mètres derrière, tu auras toutes tes munes et que tu te permets de chambrer dans le chat, va falloir se poser les bonnes questions, quoi. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Branlage de souris. Ça marche pas. Allez hop. Oh, Théma! Le fight de bomber! Oh, comment c'est beau. Oh, comment c'est beau. Oh, il a marbré le 264. Il a marbré le 264. Non! Merci! Ah, il a commencé à me tirer dessus, j'étais pas serein. Bah, attends, je vais essayer de me poser sur le B17. Ah, il veut pas! J'arrive! Mais reste! Reste! Pas question! Il a dit pas question dans le chat! Mais je vais me poser sur toi! Oh non! Il veut pas faire le porte-avions! Oh là 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 là! On va s'assembler comme les Power Rangers! Affirmatif. Il part à l'assaut, frère. Oh. Oh. Attends, mais attends, faut que je sois plus prêt pour filmer ça. Oh putain, ça y est, les rafales du Seigneur sont lâchées. Allez. Allez. Non. Oh, il retourne à la charge. Il y retourne. Oh putain, il est en train de lâcher des canons laser, frère. Oh, le 264, il utilise les roquettes. Oh, le fumier, il veut tracer le B-17. Il veut hit and run le B-17. Attention ici, Nelson Montfort poursuivre ce combat épique. Le B-17. Le B-17 qui m'en feu de 6-4. Oh oui. Oh le B-17, il y a tout qui fume. Non. Oh le 2-6-4, il a éteint. Allez le B-17, allez. Allez. Oh, je vais remettre du gaz parce que je crois que le 2-6-4 veut se barrer. Bon allez, le B-17 me dit, c'est bon, tu peux l'attaquer. C'est le mien. Bonjour. Ton aile. Olé! Beyblade, Beyblade d'hyper vitesse! Oh, c'était magnifique ce duel de bombardier! Oh, j'ai trop kiffé! Oh, le truc, mon gars! Avec une musique épique et tout, ça serait tellement génial!
Oh putain. Attends, y'a toute la DCA de la map qui est en train de me tirer dessus là. Cassez-vous, je suis japonais. Et j'en profite aussi pour les petits rageux qui disent que je sélectionne les gameplays. Voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Hein. Donc voilà, c'est des games d'affilée. Hein. Donc pour ceux qui disent ils sélectionnent les gameplays, alors oui, je sélectionne, c'est vrai. Quand il y en a qui sont pas intéressants, je les mets pas. Là, dans pas mal de cas, il y a 2 games sur 3 qui rentrent en vidéo. Hein. Enfin bon, j'espère que les petites vidéos vous les aura plu. Hein? J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Vous abonner à la chaîne, pourquoi pas? Rejoignez-nous, n'est-ce pas? Ça serait incroyable. On serait, ma foi, pas loin des 4000. T'imagines, 4000 personnes. Ça fait 3 fois le village où j'habite. C'est juste n'importe quoi. Vous êtes des fous. Enfin bon, et puis à la prochaine. P40, sûrement. Des bisous.